Salut tout le monde, c'est Legender et on se retrouve aujourd'hui sur Prototype 2. Exactement, c'est le cinquième épisode. Pour cet épisode 5, j'avais prévu de recommencer à la mission K. Et je tenais aussi à remercier tous les abonnés qui me suivent depuis le début. À vous remercier parce que sans abonnés, c'est juste énorme. C'est super. Franchement, merci. Merci du fond du cœur. Je sais pas quoi dire. Enfin, sans abonnés, c'est juste énorme. Au début, j'en avais qu'une dizaine, puis petit à petit. Pour ce qui est du reste, il y aura forcément la petite coupure habituelle au bout de 10 minutes. Je vais appuyer sur la touche start et je ferai une petite coupure parce que mon naveur média ne peut pas filmer plus de 10 minutes. Sinon le format, ou enfin je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais la taille de la vidéo n'est pas gérée par mon disque dur et du coup il y a un problème. C'est un peu compliqué. Donc je vais faire une coupure toutes les 10 minutes. Si l'épisode fait 30 minutes, il y aura deux coupures. Si il ne fait qu'une minute, il n'y aura évidemment qu'une coupure. 20 minutes, une coupure. Bon. Alors on va reprendre là où on s'était arrêté exactement. Après que ce cunning nous ait piégé, ce sale fourbe. Oui, avec la classe je marche, t'as vu ça? J'enchaîne. Alors, voyons. Sélection naturelle. L'Orion de phase 2 a été détruit, mais de son côté, Cunning complote pour éliminer Heller. Oh, le fourbe. Pourquoi tant de haine? Ça suffit, espèce de magouilleur de merde. Vous pensiez pouvoir m'arnaquer comme ça? Eh bien... Ah, l'enfoiré! Oh my god, what is it? Wow! Un missile Kinder à couvert! Ah, tu m'as énervé, mon petit. Je t'emmerde? Psychopathe toi-même, tu t'es vu? Ce sont des crétins, je pense que c'est parce qu'ils te fréquentent. Hein. On peut pas s'expliquer autrement. Commandant, si cet enfoiré me trouve, vous êtes fini. T'as bien compris en fait. Du calme, Doc. Personne ne sait où vous êtes. Oui, jusqu'à ce que je te bouffe la cervelle. C'est à peu près ça. Tu vas où toi comme ça là-haut? Oh, personne nous a dit que cet enfoiré était infecté. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est quoi tout ça? What is it, Akat? Allez, enchaîne tout ça. Ça sert à rien de reculer, vous êtes déjà dans mon cercle. Allez, technique de la castration instantanée. Aïe, aïe, aïe. Non, ça marche pas à tous les coups. Technique de la castration instantanée, tranche couille, pam. Je vais t'enfoncer mon épée tellement profond que celui qui arrivera à te la retirer... Il s'appellera le roi Arthur. Oi! Oi! Allez, bim! Bim! Esquive! Bam! Non! Oi! Score! Oh! Tranche couille! Bam! Moins 50 PDV! He's dead! Castration instantanée, soulèvement, tranche pénis, c'est bon, c'est passé. Allez, on finit celui-ci. Pourquoi il a été éjecté comme ça? Allez, viens avec moi, toi. On va faire ça tout seul dans un petit coin. Oh! Oups. T'es pas censé être mort, toi, avec ça?
c'est bon, il est en haut. On joue pas avec la nourriture, maman m'avait dit quand j'étais petit. Genre ! Oh ! Bon. Écoutez, hein. On n'a pas le choix. La bouffe est morte. Allez. Ça doit être l'autre. Genre, il m'envoie des morceaux de trottoir. Tu vas mourir! Cette puissance de destruction massive, c'est jouissif. Viens avec moi. Tu es à moi. Toutes ces petites giclées de sang. Docteur Koenig, vous êtes là? Qui est-il, commandant? Red Crown a établi votre position de repli si ça tourne mal avec quelle heure? Ça te servira à rien, une position de repli. Avec une sécurité à part à te mettre en position fœtus. Il faudra voir ça avec le colonel Rooks, docteur. Avec le colonel Rooks. La base 7, 3 frappes de force cachée. Mais oh, c'est quoi tout ça là? Vous allez vous calmer un peu là? Salvate. C'est par là-bas. Ces musiques, je les adore. Écoutez-moi ça. Nous y sommes presque. À tout le personnel militaire, bouclez le périmètre. Personne ne sort d'ici, personne n'entre. On va voir si j'arrive à le faire sortir de son trou. À table. Le dîner est servi. Ça, c'est réglé. Ah, ça ne touche pas d'ici. Ouf. Mourez, bande de larves. Mais oui. Non mais oh. Les gens sont mal élevés de ce jour. Eh, il reste un réservoir. Ça, c'est fait. Moi, on m'appelle Monsieur Propre. Vous voyez, il va essayer de s'échapper, ce vieux. Mais avant cela, je vais faire la petite pause comme prévu. On se retrouve tout de suite pour la suite. Nous revoilà. Alors, on allait s'apprêter à se faire la peau de ce cher colonel Sanders. Alors, exactement, je vais reprendre maintenant. Et on allait le buter. Étrange, je suis pas l'état de 1. Demandons coordonnées d'évacuation. Vous recevez? Personne n'est
Vous attaquez l'heure. Allez. En fait, t'as pas trop bien la notion des choses. C'est moi qui vais t'attaquer, mon petit. Au revoir. Tu t'es bien battu. Mais ce n'est pas suffisant. Jeune Padawan. Oh, le joli feu d'artifice. Allez, viens là, Colonel Sanders. Fais-moi goûter tes nuggets. Il est pas normal, hein. C'est du poulet élevé aux OGM, ça. KFC est égal qu'il fucking chicken. N'oubliez pas, celui-ci, il a pas l'air content. What the fuck is that? Eh, d'où tu te permets de me taillader, là? Ce que vous auriez dû être. Je vais le prouver à Mercer. Lui prouver, ouais, c'est ça, qu'il se trompe sur vous. Et je serai au... Il se trompe peut-être sur moi. Et ta femme, elle se trompe. Ah, elle te trompe. Oh, je sais pas. Bon, alors... Avec moi. Ah, je déconne. Ce rire était complètement nul. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Oh non, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. C'est ça, marre-toi. Vous êtes un idiot. Une brute. Un animal. Vous n'êtes rien. Ouais, l'idiot, il va t'envoyer sur les superbes. Ouh, il fait super mal le vieux là. Il a pris des excitants. Bah, prouver que t'es un vieux qui a Parkinson et qui arrive même plus à m'approcher. Seulement te mettre les tripes à l'air. Genre. Tu vas mourir. Ouais. Je vais m'occuper de toi personnellement, mon petit. Quand je t'aurai explosé la gueule. J'ai pris cher, j'ai rien pu faire. Vous pouvez vous battre à mort. Prêt, hein. Allons-y. Je danserai sur votre cadavre. Tu t'avances un peu, là. Tu es mort. Il faut que je vous implore, Heller. C'est ce que... Voilà, t'as bien résumé la situation. Les crèves. Docteur Mercer, je dois avouer que recruter les évolués au sein de Genvec était une idée de génie. Nous infiltrons leur hiérarchie à la vitesse de l'éclair. Sabrina Galloway est déjà pressentie comme directrice financière. Alors suivez son exemple, Kenning. Il faudra que chacun fasse ce qui est nécessaire dans la zone verte. Bien sûr, docteur. Chacun devra faire ce qui est nécessaire dans la zone verte. Alors, je devrais te tuer, tu le sais. T'avais besoin de Koenig, mais tu l'as écrasé comme une mouche. Ouais, t'aurais pu me dire qu'il y avait d'autres mecs comme moi dans le coin, sans parler de cette espèce de taré qui se fait passer pour un scientifique. Oui, tranquille. Tu sais tout maintenant. Gentech, le Black Watch. On a des yeux et des oreilles partout. Tu rassembles une armée. Et quand nous serons assez nombreux, nous mènerons, toi et moi, une attaque qui anéantira le Black Watch, ouais, bah, et Gentech. Ayatre. Et le virus. Quoi? On l'anéantit aussi, non? Oui. Ça fait partie du plan. Je sais pas pourquoi, mais ça m'inspire pas confiance, là, son petit regard, son petit sourire, son sac à fuche. Sois patient. Prépare-toi. Enfoiré de menteur. Mon père. Venez me retrouver en zone verte. Athéna a de mauvaises nouvelles. Moi aussi. Mercer a pas joué franc jeu avec nous. Il prépare un truc. James, vous n'imaginez pas l'étendue des dégâts. C'est quoi l'étendue des dégâts? Ok, j'arrive tout de suite. Moi, je connais qu'une seule étendue. L'étendue de ma... Alors, va-t-on aller faire cette petite mission en G, ou est-ce que ce sera pour le prochain épisode?
Ma foi, il y a toujours une petite mission qui traîne à se mettre sous la dent. Cela impliquera donc une deuxième coupure. Je vole. Mercer a créé toute une race d'évolués. Il doit y avoir d'autres surprises en réserve. Ok, mon père. Comment vous avez fait pour arriver là-bas? Tous les ponts sont coupés. Pas le pont aérien. Le Black Watch a des hélicos qui transitent entre les zones. J'ai soudoyé un pilote pour monter à bord. Je suis pas fan des pots de vin. Je vais plutôt me glisser dans la peau de quelqu'un d'autre. Je vous rejoins dès que possible. Soyez prudent. Bon, c'est Easy Money, ça. Écoutez, les amis, on va en zone verte et on se laisse. Comme par hasard, il s'enfuit celui-là. Genre, il a esquivé. Ça, tu l'as pas esquivé, connard. Allez, tu viens. Ici Dragon 1-1, nous nous préparons au décollage. Que tous les passagers se présentent immédiatement à l'héliport. Je crois que je me suis encore fait remarquer. Dragon 1-1, ici le sergent Jenkins. Attendez, je monte avec vous. Bien reçu, sergent. Allez, c'est bon, on y est. Ah, mais j'ai pas le droit de... Bon, écoutez, on va chercher à comprendre. Ici Dragon 1-1, nous attendons les passagers ayant besoin de quitter le secteur. Attendez, on va s'écarter histoire de pas se faire remarquer par leur engin débile, là. J'ai utilisé le pont aérien. Alors, où dois-je aller? Zone verte. Allez, c'est parti. Steak. Ok. Une boutique qui s'appelle Steak. Voilà, on ne pouvait pas appeler ça le resto à Gérard, non? Il fallait que ça s'appelle Steak. Tant c'est vrai, ça prend que 3 lettres, ça prend que 5 lettres, donc du coup, c'est beaucoup plus économique. Pour la pancarte. Et bon, étant donné que c'est un magasin d'angle, vous voyez, ça a prédit... Bon, allez, on change de sujet. Alors, depuis l'écran carte, sélectionnez les événements. J'ai pas eu le temps de lire, on s'en fout d'ailleurs. On est des fifous, nous, dans la life. Enfin chez moi. Vous vivez dans la zone verte? Bien sûr. Comme pas mal d'officiers et tous les employés de Gentech. Mais on va sûrement déménager. Il y a pas mal d'infectés qui sont dans les tunnels de la zone rouge. Vous avez vu ça? Vous êtes là pour le briefing? Pour quel briefing? Le lieutenant Riley a demandé des renforts pour des opérations majeures. Vous êtes un de leurs hommes de confiance, alors je pensais que vous étiez là pour ça. Je vais peut-être aller y faire un tour. Mais c'est quoi ce bordel? What the fuck is that? Nous sommes arrivés. James, c'est bon, je suis là. Il faut qu'on se voit. On a plein de trucs à se dire. Beau travail. Je vous transmets mes coordonnées. Soyez prudent, James. Ce quartier n'est plus ce qu'il était. Vous en faites pas, mon père. Ok. Je traverserai dans les clous. Écoutez, les amis. On va aller parler au père Guerra et voir ce qu'il a à nous dire.
Mais avant cela, je dois faire la deuxième coupure. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Donc, je vous dis à tout de suite. Je la fais maintenant. Me revoici. Donc, on va tout de suite reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire qu'on devait aller retrouver le père Guerra. Allez, maintenant, pour parler de Mercer. La vieille maison. Qu'est-ce que c'est ? Par ici. Là, regardez. La première épidémie a commencé à Benstech. Oh putain, ça en fait des morts. Oh putain. Et un an plus tard, ça a recommencé. C'est le travail d'un contact d'Athéna. Vecteur aérien, réseau d'égout, le virus se transmet si facilement. Écoutez, on n'a pas le temps. Mercer. Là. Attendez, vous dites que la deuxième épidémie a commencé exactement au même endroit que la première. Regardez. Oh l'enculé. Oh cet enfoiré. Quel bâtard. Donc c'est à cause de lui. T'es mort enfoiré. Il les a tués, mon père. Maya et Colette. Je sais. On va découvrir ce qu'ils préparent. Y mettre un terme. Ah, ça, ça me plaît. Il foncerait sa jolie petite gueule. D'accord, mais par où commencer ? Je n'ai rien. Et Athéna non plus. Nous infiltrons leur hiérarchie à la vitesse de l'éclair. Sabrina Galloway est déjà pressentie comme directrice financière. Sabrina Galloway, c'est une taupe. Elle espionne Gentec pour le compte de Mercer. Oui, je connais ce nom. Là, Sabrina Galloway, employée de Gentec. Le Blackwatch organise un briefing à son sujet aujourd'hui. Ça, ça me plaît. Voilà, je vous ai envoyé les coordonnées du briefing de on va se la faire. Sur Galloway. Super, une base du Blackwatch. Heureusement, j'ai encore le costume du sergent Jenkins. Alors c'est quoi la mission là? Moi je suis partant. Bienvenue dans la zone verte. Je suis le sergent Salvatore. Salvatore. On commence le briefing. Il a été repoussé. Les infectés attaquent les militaires du secteur. On déplore de lourdes pertes civiles. Le QG veut qu'on règle ça. Ah, ok. Cottonmouth 2-2 attend vos instructions. Quand vous aurez fini, revenez ici pour le Ah putain, non. Bonne chasse, soldat. C'est nul. Sérieusement. Bon, je vais vraiment devoir faire ça, moi. C'est tout nul. Comment on avance? Vous êtes au briefing? Ah, ok, comme ça. Je peux pas parler là, mon père. Si je peux pas tout sauter comme un bon petit soldat, j'assisterai jamais à ce briefing. A plus. Copperhead 2-2, rejoignez Copperhead 2-1 dans la zone d'opération, dépêchez-vous. Comment tire? Comment est-ce qu'on se sert de... Répondez de Ah mais moi je suis pour, tant qu'il y a du massacre. Ah, je crois que j'ai trouvé la touche de tir. Kodiak 2-1, ici Grizzly 2-3, vous les avez vus où ces infectés? Oh, c'est pas si nul finalement. Allez, on va essayer de finir. Bien reçu. Rejoignez les autres unités à l'endroit convenu. Tenez-vous prêt à tirer. Bien reçu. Copperhead 2, leader. Ici Grizzly 2-3. On s'en prend plein la gueule, ils sont beaucoup trop nombreux. Bien reçu. Kodiak 2-1, vous pouvez les aider? Ici Kodiak 2-1, ok, je dois rouler sur un maximum d'infectés. Copperhead 2-2. Bah oh, finalement c'est assez fun même. What? What the? Oh le vilain chien. Tu vas un tic-tac?
tuer les molosses. Les enfoirés sont plus faciles à toucher de loin. Ne les laissez pas trop s'approcher. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Crève. Sans le bait. Vraiment pas de pomme, vous tuez tous. Tu veux me tuer, ces saloperies ? Merde. Regardez où vous tirez. Et où le dernier ? Ah, ok, bah. Je vais me rendre au dernier point d'extraction. Il y a encore de ces clébards ? Ils sont sérieux là ? Deux, si vous regardez pas où vous tirez, je vais venir vous péter le cul. Où ça ? Pour aller à une réunion. C'est à peu près ça, je pense. Malheureusement. Ah, mais il reste des molosses là ? Ils sont combien ces chiens là ? Il y a une mémé qui a oublié sa caisse là et. En plus, c'est tous des femelles, regardez les petites giclées de sang. Fous-moi la paix, espèce de gros porc. Voilà. Copperhead 2-2, Cognac 2-1 pense avoir repéré un nid infecté. Allez les rejoindre. Bien reçu. Allez, qu'on en finisse. On va. C'est quoi, ce bordel ? Vous sentez ça ? What the fuck is that? Merde, il y a des encore. Ah, oui, effectivement, je connais ses coordonnées. Voilà. Bien joué, 2-2. On va finir de nettoyer ce merdier. Copperhead 2-2, ici Castle, regagnez la base au plus vite pour le briefing. Je te le fais pas dire. Robert, je suis en route pour le briefing. Peut-être que j'apprendrai où est cette pétasse de Galloway. Très bien, James. Écoutez, c'est pire que je le craignais dans la zone verte. Il faut absolument aider ces gens. Occupez-vous de vos paroissiens, mon père. Je me charge de Galloway. C'est pas du Need for Speed. Hein. Copperhead 2-2, entrez dans. Regardez comment il tient son téléphone. Il regarde mon téléphone. Je suis le lieutenant Clint Riley, nom de code Castle. Je travaille pour Douglas Rooks. Nom de code, Checkmate. Et si vous m'entendez, c'est que vous bossez aussi pour lui. On a intercepté un message indiquant que deux personnes d'intérêt prioritaire comptent se réinstaller en zone verte. La première est le sergent James Heller, un cobaye en fuite. Mais je t'emmerde. Extrêmement dangereux et soupçonné d'être à l'origine de la disparition du docteur Koenig. Vos ordres sont simples, tirez pour tuer. La seconde est le père Luis Guerra. Auteur de troubles notoires et milicien aux tendances terroristes. Guerra soutiendrait Heller dans toutes ses actions. Alors les ordres sont les mêmes. Essayez de ne pas le rater. Heller semble s'attaquer au grand ponte de la société Gentech. Sa prochaine victime pourrait bien être Sabrina Galloway, vice-présidente des opérations. Rattler 3-1, vous assurerez sa sécurité. Vous avez vos ordres. Oh l'enculé. Non mais je rêve. Bon, écoutez les amis, je pense que c'est là la fin de ce cinquième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert parce que ça fait toujours plaisir et ça encourage. Et à laisser un commentaire pour me donner vos impressions. Et vous pouvez éventuellement vous abonner pour ne rien louper de mes vidéos. Donc écoutez les amis, moi je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6. Entre temps, il y aura aussi des épisodes de Rayman qui vont sortir. Moi, je vous dis à très très bientôt. Bye bye, salut à plus.